Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay. Mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je dirige le service culturel et l'auditorium du Musée d'Orsay. Je suis très heureux, nous sommes tous très heureux de vous accueillir ce soir pour cette table ronde autour du thème de l'édition du Marquis de Sade. C'est une des manifestations nombreuses qui ont été organisées autour de cette exposition événement que je pense vous avez déjà tous vu. Et nos deux commissaires sont avec nous ce soir. Annie Lebrun qui sera dans un instant sur scène et Laurence Descartes, directrice du musée de l'Orangerie que je salue. Je voulais dire quelques mots pour remercier d'abord nos partenaires, les partenaires de cette soirée qui est le Cercle de la Pléiade. Le directeur des éditions Gallimard, Antoine Gallimard, sera avec nous dans quelques instants, je l'espère, mais vous savez peut-être qu'il était à Stockholm hier soir, on l'a vu à la télévision, parce qu'il était avec son auteur, avec Patrick Modiano, pour la remise du prix Nobel, mais il nous a promis de prendre un avion à temps pour nous rejoindre, donc il est dans les embouteillages actuellement, mais il va être avec nous dans un instant. Je voulais saluer aussi la présence parmi nous ce soir de plusieurs membres de la famille du Marquis de Sade, de plusieurs descendants du Marquis de Sade. Nous sommes très heureux de les accueillir. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est que quand nous avons commencé à imaginer cette programmation culturelle autour de l'exposition avec Laurence Descartes et avec Annie Lebrun, quand nous avons parlé de cette table ronde, très très vite, Annie Lebrun a dit « ce que j'aimerais, c'était il y a quelques mois, près de 9 mois, j'aimerais beaucoup que cette soirée soit un hommage à Jean-Jacques Pauvert et ce que ce grand éditeur a fait pour la publicité, la notoriété du Marquis de Sade. Et c'était une idée qui était évidente. Et Jean-Jacques Pauvert, comme vous le savez, nous a quittés très récemment. Et donc, cette soirée lui est encore plus, si j'ose dire, dédiée ce soir. Et je suis très heureux, nous sommes tous très heureux, d'accueillir plusieurs membres de la famille de Jean-Jacques Pauvert qui sont tous là, ils sont très nombreux ce soir à nous avoir rejoints. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vais céder immédiatement la parole à quelqu'un aussi que je remercie beaucoup, qui est François Angelier, producteur à France Culture et qui a accepté de modérer cette table ronde. Merci beaucoup François. Merci à vous. Modérer une soirée sur Sade, c'est, je pense que les deux, Sade et la modération ne sont pas franchement deux termes qui vont et qui sont fréquemment appariés. Merci de votre accueil, merci à toutes et à tous d'être présent ce soir pour cet échange, cette table ronde sur Edith et Sade. Edith et Sade, ce qui est aujourd'hui une chose simple, une chose toujours passionnante, mais qui a été pendant plusieurs siècles extrêmement difficile, périlleux. Donc Edith et Sade, le premier à avoir signé de son nom une édition de Sade, eh bien, vous venez de le rappeler, c'est Jean-Jacques Pauvert, à qui nous dédions bien évidemment très volontiers cette soirée. Et je vous propose de l'ouvrir en écoutant et en regardant Jean-Jacques Pauvert évoquer, je dirais, le moment un peu sadien de sa carrière d'éditeur. Jean-Jacques Pauvert. Voilà, c'était bien normal de commencer cette soirée en regardant, chez lui d'ailleurs, et dans cette espèce de retraite, Jean-Jacques Pauvert nous racontait son histoire, sa liaison avec Sade. Maintenant, on va évoquer, je dirais, 3 siècles d'édition de Sade en France et à l'étranger. Et pour ce, eh bien, je demande de me rejoindre sur scène Annie Lebrun, qu'on applaudit. Voilà. Voilà. Michel Delon. Et Frédéric Martin. Voilà. Et Antoine Gallimard. Donc, voilà. Je vous prie d'excuser mon hésitation. Je vous croyais encore dans le taxi qui vous ramenait de l'aéroport. Eh bien, donc, effectivement, là, très beau document sur
Jean-Jacques Pauvert. Frédéric Martin, vous êtes un peu coproducteur. Si j'ai vu votre nom et le nom de votre maison d'édition, le tripode de ce document, vous êtes allé sur place, vous avez rencontré Jean-Jacques Pauvert, vous avez... Le siège social de la maison d'édition est chez Jean-Jacques. Voilà, en fait, c'est... Je reparlerai après. On en parlera plus tard. Je comprends votre émotion et je la partage. Ce qui serait important maintenant, on va un petit peu vous connaître, on va vous présenter très, très rapidement. Donc Annie Lebrun, écrivain, auteur d'ouvrages déterminants sur Sade, éditrice de Sade avec Jean-Jacques Pauvert, notamment les œuvres complètes, et puis auteur d'un livre qui est toujours référentiel sur le marquis de Sade, donc Soudain un bloc d'abîme Sade. Antoine Gallimard, éditeur de Sade, au moins dans la collection de la Pléiade et la collection Folio. Michel Delon, donc éditeur de Sade en Pléiade et historien des Lumières littéraires et des Lumières philosophiques. J'aimerais qu'on commence par évoquer d'une certaine manière votre rapport à Sade et votre découverte de Sade. Annie Lebrun, vous avez traduit la commotion qui a été pour vous le travail et la réflexion sur ça dans un extrait donc, de Soudain un bloc d'abîme Sade. D'ailleurs, le texte est cité par Jean-Jacques Pauvert dans ses mémoires, La traversée du livre. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre découverte, votre première fois avec le marquis. Quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir, enfin, c'est évident qu'il fallait lire ces livres qu'on trouvait pas. C'était ceux-là qui étaient les plus intéressants. Donc évidemment, je suis tombée sur Sade. Et puis, comme dans le même temps, je m'intéressais aussi à cet étrange phénomène que représentait pour moi le roman noir, c'est-à-dire le roman gothique à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire comment, tout d'un coup, l'imagination plurielle avait fabriqué un décor où étaient abordées toutes les questions que la philosophie des Lumières n'abordait pas. Tout d'un coup, c'est par les souterrains du roman noir, si je puis dire, que je suis arrivée à Sade. Catacombes gothiques, vous êtes arrivée au château. Parce que en avançant dans cette nuit-là, et tout d'un coup, je me suis retrouvée au cœur du château le plus inexpugnable, le plus gigantesque, le plus menaçant, et c'était le château de Sillingues. Et tout d'un coup, il m'a paru tout à fait étrange que Sade, justement, ait rejoint l'imagination populaire, justement, par ses souterrains, par cette nuit-là. Et puis, peu à peu, en m'aventurant dans ces souterrains, je me suis rendu compte que, eh bien, quelque chose se cherchait. L'infini ne se cherchait plus au ciel, mais dans les souterrains de l'être. Ben, c'était les abîmes d'en bas. Comme on et dit. C'est ça qui m'a complètement fascinée chez Sade, parce que tout d'un coup, c'était lui qui ouvrait véritablement cet espace mental qui avait été entrouvert avec le roman noir, et que tout d'un coup était posé là, en faisant se rejoindre les problèmes autour de la sexualité, de la singularité et de la souveraineté. Eh bien, c'était les questions qui nous hantaient encore et qui hantaient toute la modernité. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais complètement fascinée. D'ailleurs, je relisais il n'y a pas longtemps le très intéressant texte que Nadeau avait écrit en 1948 à propos de Sade. Et il dit que Sade vous empaume. Vous empaume. Oui, oui. Et il y a quelque chose. C'est-à-dire vous saisit, vous maîtrise. Voilà. Il vous saisit en vous séduisant, et il vous embarque, c'est ça. Antoine Gallimard, est-ce que vous-même, vous avez été empaumé? Alors je pense qu'un micro, normalement un micro est à votre disposition, sur le fauteuil peut-être, à gauche ou à droite. Ah oui, pardon. Voilà. Oui, je reprends le mot utilisé par Annie Lebrun. Avez-vous-même été empaumé ou saisi par vos premières lectures du Divin Marquis? Moi, mes premières lectures, en fait, sont nées d'une grande frustration. Dans la bibliothèque parentale, il y avait le travail de Gilbert Lely, la grande biographie qu'il a écrite, et on ne trouvait pas les écrits de Sade. Ça se passe dans les années 60, 65, 60, et donc en fait c'était plus effectivement dans l'envie de
de lire quelqu'un qui était voué aux gémonies, qui représentait le diable, et le jeune homme que j'étais avait vraiment envie. Donc je ne pouvais pas, je n'avais pas accès aux œuvres, même si effectivement, d'ailleurs, Jean-Jacques le dit bien, il a choisi de signer, mais c'était difficile d'avoir accès. C'était difficile d'accès, il fallait toujours pas trouver quelqu'un qui l'avait, n'est-ce pas, et dans les arrières. Alors que là maintenant, vous l'avez en folio, vous l'avez en Pléiade, et quelque part, mon souhait d'avoir souhaité que ça soit en Pléiade, c'était aussi par rapport à cette frustration qui était là. Mais c'est ça, d'avoir la biographie érudite, minutieuse, mais pas plus. Oui. Pas de texte. C'est à votre aussi d'ailleurs ce que Jean-Jacques Prouvaire signale il y a plusieurs reprises et qui l'agaçait terriblement, c'est qu'il entendait les gens comme Paulhan, Blanchot, Klossowski, enfin ces gens qui fréquentaient autour de la NRF, qui parlaient de Sade, et les uns et les autres faisaient des textes sur Sade, ou même des morceaux choisis, mais jamais le texte. Lui-même. C'était plus des commentateurs. N'est-ce pas ? Oui, il y avait plus une réflexion théorique sur Sade que vraiment un donné à lire, quoi, une sorte de... Ouais. D'ailleurs, on pourrait se demander... Michel Delon. Ce que chacun de ces commentateurs avait lu vraiment de Sade. Hein. Certains en avaient lu peu. Je sais que pendant la guerre, Paulhan avait eu des difficultés à trouver une édition originale de Justine. Hein, mais apparemment, il ne connaissait pas tous les autres textes. Comme nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir une maîtrise du relatif du corpus. C'est un texte qui a été gagné, qui a été, au fur et à mesure des décennies... Tout se passe comme si l'œuvre avait été... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein, mais tout se passe comme si l'œuvre avait été un peu éclatée. C'est-à-dire, on voyait... c'est vrai, par exemple... La revue de la NRF, assez vite, s'intéresse à ça avant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est toujours de manière un peu détournée. Je veux dire, là, par exemple, Malraux s'intéresse à Sade. Malraux avait chez un éditeur qui s'appelait, je ne sais plus son nom. Simon Cra, peut-être. Oui, Simon Cra, voilà. Simon Cra, oui. Deux textes, Les Amis du crime et Le bordel de Venise. Ça, c'était en 21. C'est un extrait. C'était un extrait. Oui. Toujours pareil, quand il compte Historiette et Fabliau, chez un autre éditeur, bon, après, il y a eu Dialogue d'un prêtre, c'est encore là pour une occasion d'écrire. Mais de dire, voilà, on aime ou on n'aime pas. J'avais retrouvé une phrase qui était intéressante là, à cette occasion, justement, où Malraux écrit à Paulhan. Il dit, voici le Sade. Peut-être avons-nous tort, tous deux, vous d'admirer trop le mythe Sade et moi de débiner trop le marquis. Hein? Donc on voit bien. Mais en fait, en même temps, bon, et Jean-Jacques pourrait le dire s'il était là, l'entrée de Sade quand même, en littérature... C'est la maison Gallimard en 30 qui publie un tableau de la littérature française que vous connaissez. Mmh. Et c'est Morrison à qui revient la tâche d'écrire le texte de présentation. Et c'est Malraux lui-même qui est l'éditeur de ce tableau. Mmh. Donc on voit bien qu'il tourne autour, mais que l'œuvre est trop imposante ou trop violente, trop violente, en soleil noir, pour pouvoir être approché comme ça directement. Il y a des manœuvres d'approche, il a fallu, je dirais, plonger dans le volcan. Et d'où la détermination de Jean-Jacques Prouvaire, qui ne lâche pas et qui, bon, déjà, on l'a vu là avec... Ouais. La police, et il ne va pas arrêter. Il s'agit de publier tout ça. La brigade mondaine. Frédéric Martin, alors, vous, votre rencontre de Sade. Excusez-moi. Je vous en prie. Elle s'est faite en deux temps, en fait. Donc, la première, j'avais environ 14 ans, et c'était une histoire de vie d'ordure. J'avais bien négocié avec un bouquiniste, enfin, je croyais avoir bien négocié, un achat du Grand Robert. Donc c'est un achat considérable pour un garçon de 14 ans. En fait, il avait oublié de me dire qu'il y avait un supplément d'articles oubliés qui faisait un volume en plus, donc ça dépassait le volume Z. Donc en fait, il m'a vendu une série incomplète, mais fort de mon achat, j'avais négocié un vrac qui était à côté, et il y avait Juliette dedans. Et je l'ouvre, et il n'y a pas de livre du tout dans ma famille à cette époque-là. Dans quelle édition ? Un poche, évidemment. Oui, il y a un problème de génération. Là, moi, j'avais accès aux poches. Par contre, j'étais tellement effrayé que je l'ai jeté dans un vide. Donc, ça devait être une édition 10-18, si mes souvenirs sont bons, puisque Juliette en poche, c'est de la fin des années 70, de même que les 120 journées ou Justine, c'était 10-18. Donc, ceci dit, on est fin des années 80. Ouais. Et je l'ai racheté deux jours plus tard. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que je pense que c'est la seule fois qu'un texte à la fois me fait peur et me ramène vers lui.
Mais ça, c'est la première expérience qui est celle que font la plupart des gens, en fait. On s'arrête très souvent à Justine quand on lit Sade, alors que c'est peut-être ce qu'il y a de moins intéressant. Enfin, c'est ce que je pense aujourd'hui sur son œuvre. Et la deuxième fois est beaucoup plus violente et intéressante. C'est quand j'ai eu la chance de travailler sur les mémoires de Jean-Jacques. Avec la fougue de la jeunesse, j'ai décidé d'essayer de lire le plus de livres possible de son catalogue. Chez Viviane Amy, la traversée du livre. En 3-4 mois. Et là, ça a été un vrai choc, parce que non seulement j'ai eu la chance de lire les textes les plus violents, dont les 120 journées de Sodome, qu'on trouvait encore pour rien. Enfin, je me souviens, je suis tombé sur un bouquiniste. C'était l'exemplaire qu'on voit à l'écran avec cette couverture noire imprimée. Alors, c'est l'exemplaire que Jean-Jacques avait envoyé à Klossowski et je l'avais payé des clopinettes. Voilà. Et ce qui était passionnant pour moi, c'est qu'en plus, le lisant avec le reste du catalogue de Jean-Jacques, j'en ai eu une lecture, je pense, qui a été très singulière. C'est-à-dire que je suis vraiment sorti des sentiers battus des lectures habituelles de Sade parce que j'ai pu le mettre en résonance avec des textes comme le Surmal de Jarry, par exemple. Et c'était vraiment éclairant. Michel Delon, vous, votre approche de Sade, s'est-elle faite de manière sauvage et accidentelle, comme vient de nous le narrer Frédéric Martin, ou au contraire, par le canal académique de l'érudition et de la science? Je rappelle, vous êtes professeur à la Sorbonne, éditeur de Sade en Pléiade, et donc vous avez fait une thèse sur l'énergie à l'époque des Lumières, et Sade, en matière d'énergie, est un personnage tout à fait captivant. Non, alors c'est vrai que moi j'ai découvert ça par des professeurs. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur de philosophie Jean Deprin, qui travaillait grand à ce moment-là. Grand 18e. Voilà, et qui travaillait sur les sources philosophiques de Sade, c'est-à-dire d'où venaient les grands discours tenus par Juliette et les autres libertins. Et ensuite, Jean Fabre. Vous étions dans les années Moi j'ai passé mon bac en 65, donc c'était un peu avant 68. D'accord. Et puis ensuite, Jean Fabre, qui avait fait une préface à Aline Valcourt, qui faisait un cours sur la nouvelle Héloïse et qui a consacré une séance aux lecteurs paradoxaux de Rousseau. Et comme en 10-18 venait de paraître la moitié d'Aline Valcourt, hein, là encore, ce n'était pas le texte complet, voilà, c'était les aventures de Saint-Ville et Léonore. J'avais adoré, mais d'une certaine manière, ce n'était pas encore le Sade le plus violent. Hein. Donc je suis allé voir Jean Fabre en disant que je voulais faire un mémoire de maîtrise sur Sade. Et c'était un peu avant, en avril 68. Il m'avait dit, jeune homme, oui, bien sûr, c'est intéressant, je vous fais court, mais je ne suis pas certain que ce soit un bon objet. Et puis 68 est arrivé. On s'est perdu de vue. Je suis allé le revoir début octobre, je crois, parce qu'il a fallu passer en septembre les examens. Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais travailler sur Sade. Il m'a dit, mais c'est une excellente idée. Les temps avaient changé. Voilà. Peut-être qu'entre-temps, il l'avait lu, parce que moi, quand j'ai connu Fabre, il n'avait pas lu Sade. Hein. Là, je crois, parce que, en tout cas, nous avons dialogué. Hein, nous avons dialogué. Hein. Mais c'était lié quand même à l'atmosphère 68arde. Ah oui, il y a eu un déverrouillage, voilà. Une libération. Et alors, à ce moment-là, je me suis mis vraiment à découvrir Sade. Mais il fallait à la fois la bibliothèque de la Sorbonne et la Bibliothèque nationale, à chaque fois, montrer patte blanche, faire une demande motivée pour justifier qu'on aille dans l'enfer. Et là, bon. C'est quand même alors justement, on éditait ça, tel est le titre de notre rencontre. On ne va pas tout reconstituer point par point, mais 18e, 19e siècle, Michel Delon, quand ça, du vivant de Sade, par qui se fait-il éditer? Et au 19e, quels étaient un petit peu les canaux, les réseaux qui permettaient à nos romantiques de lire et d'en être traumatisés, le Marquis de Sade? Alors, Sade publie pour la première fois en 1791. Hein, il a déjà 50 ans, il écrit beaucoup. Et il a séparé sa production en deux pans, presque étanches, hein, des livres qu'il reconnaît, qu'il avoue, qu'il signe, Aline Valcourt, Les Crimes de l'amour, Oxtirn, et puis des livres qu'il publie sous le manteau. Parfois, ce sont les mêmes... Les mêmes libraires, les mêmes éditeurs, hein, oui. Giroir, par exemple. Mais il donne comme
fausse adresse en Hollande, ce qu'on disait tout à l'heure, en Hollande, à Londres. C'est pas à Sceaux, hein, c'est voilà. Et puis, alors, il y a une troisième catégorie. Donc, les livres qu'il avoue, les livres qu'il diffuse sous le manteau, et puis les 120 journées, hein, qui est un texte impubliable. On en parlait il y a deux jours avec Annie Lebrun. On a l'impression que c'est un livre qu'il a écrit en prison par nécessité personnelle. Et il est impensable de le publier hein, à ce moment-là. Et, de toute façon, il l'a perdu. Il l'a perdu oui, voilà, avec puisque la prise de la Bastille. Voilà, la prise ça. De la Bastille, oui. Le fameux rouleau voilà, lui ça. Échappe. Oui. Et jusqu'à sa mort, il écrit frénétiquement. Et, il y a même un manuscrit que l'on n'a pas, qui a été détruit, qui était sa dernière œuvre. Voilà. Hein, c'est-à-dire, il avait perdu à la Bastille le rouleau des 120 journées. Il le pensait disparu à jamais. Donc, il recommence une autre œuvre, Les Journées de Florbel, ou La Nature dévoilée. Il passe deux années entières à composer cet ouvrage. Descente de police à Charenton, le manuscrit est saisi. Et à sa mort, son fils, le seul fils qui lui restait, demande que le manuscrit soit détruit. Que tout ce qu'il y avait ouais. chez lui soit brûlé. Pas les romans historiques. Oui, mais bon. Hein, voilà. Il en accepte Isabelle de Bavière, par voilà. exemple. Ouais. Si bien textes. Que, oui, il pensait avoir perdu les 120 journées, il écrit les journées de Florbel. C'est les journées de Florbel qui sont détruites. Et il restait miraculeusement le rouleau des 120 journées. Alors les 120 journées qu'on peut lire donc aujourd'hui dans la Pléiade, l'histoire du manuscrit, Annie Lebrun en est extraordinaire, parce qu'il faut attendre 1904 pour qu'il réapparaisse et qu'il soit édité, et en Allemagne. Oui, par Eugène Durenne. Mais dans des conditions quand même spéciales, puisque ce qu'on édite là, comme le disait d'ailleurs dans une préface Michel Delon, pendant longtemps, il a fallu, longtemps, on n'avait pas voulu que Sade soit un écrivain. Et puis en 1904, est-ce qu'on édite un écrivain ou est-ce qu'on édite un document de pathologie sexuelle ? Ben c'est un médecin, c'est un grand médecin. Yvan Bloch, Eugène Durenne, c'est le même personnage. C'est un grand médecin, effectivement, qui donne la première édition des 120 journées en Allemagne. Donc, ce qui est remarquable, elle est d'une certaine façon fautive, mais c'est ce qui va permettre aussi après aux uns aux autres, de, en particulier à Apollinaire, de prendre connaissance de ce texte-là. Et là, l'importance d'Apollinaire donc dans la collection des Maîtres de l'amour, qui va présenter des extraits de Sade et dont le début des 120 journées, son importance est décisive parce qu'il y a en quelque sorte un avant et un après Apollinaire. Oui, c'est parce 1909. Que lui, le premier... 1909, oui, lui le premier va justement sortir de ce que la fin du 19e siècle avait essayé de faire de Sade, un cas intéressant de la psychopathologie sexuelle. Or, au contraire, Apollinaire, avec l'ampleur de sa vision du poète qu'il était, voit l'enjeu qu'il y a dans Sade, voit aussi quel génie il s'agit, et lui replace complètement Sade au milieu de... Enfin, on fait le point de départ de la modernité. Après, il y a eu les travaux Antoine de Pascal, après, il y a eu les travaux de Pascal Piat aussi, qui ont quand oui, même... Oui, mais c'est les travaux d'érudition enfin, ouais. d'édition. Mmh. Mais la mise en, enfin, la mise en perspective, la place décisive donnée, c'est Apollinaire. Et ça va être la lecture de Sade d'Apollinaire qui va aussi déterminer celle des surréalistes. Alors justement, Apollinaire, j'ai sous les yeux le texte, un fragment du texte qu'il consacre à Sade, qui est cité dans ses mémoires par Jean-Jacques Fauvert, je vous le lis. « Il semble que l'heure soit venue pour ces idées qui ont mûri dans l'atmosphère infâme des enfers des bibliothèques. Et cet homme, qui parut ne compter pour rien durant tout le 19e siècle, pourrait bien dominer le 20e. » Extraordinaire, on est en 1909. « Le marquis de Sade, cet esprit le plus libre qui ait encore existé, avait aussi sur la femme des idées particulières et la voulait aussi libre que l'homme. Justine, c'est l'ancienne femme, asservie, misérable et moins qu'humaine. Juliette, au contraire, représente la femme nouvelle qu'il entrevoyait, un être dont on n'a pas encore idée, qui aura des ailes et qui renouvellera l'univers. Ouais. » C'est extraordinaire. Antoine Gallimard, l'Apollinaire fait de ça, de l'espèce de messie sociale, politique, artistique.
à l'orée du XXe siècle. Oui, oui, et je pense qu'effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Sade apparaît par rapport à même à des Malraux, des Gide, des Paulhans comme... comme un, voilà, quelqu'un qui les marque, qui les fait bouger. Et en même temps, on voit bien que cette œuvre, elle reste encore, toujours et malgré tout ce, même cette première partie du XXe siècle, totalement inaccessible. Là, quand même, le travail des surréalistes, et d'un côté, fort, et de Maurice Hine, a été important, hein. Considérable, parce que c'est lui qui a produit, qui a édité les textes. Alors justement, on va et faire... C'est Maurice Hine qui donne justement la première véritable version, enfin le texte exact des 120 journées, c'est lui qui donne le dialogue entre un prêtre et un moribond. Enfin, c'est lui qui va donner aussi les différentes versions de Justine, etc. Donc c'est un travail colossal qui après a été relayé par Gilbert Lely. Mais ça, c'est aussi à mettre quand même... C'est Gallimard qui publie les travaux de Maurice Hine. Oui, d'ailleurs, Gilbert Lely a publié donc, les travaux de Maurice Hine sur Sade, Gilbert Lely étant un peu l'élève, le continuateur de Maurice Hine. Et les travaux ont même été commandés par mon grand-père à l'époque, avant que ça reparaisse dans une édition du Mercure de France en deux tomes. Et probablement aussi sous l'influence de Paulhan, qui était quand même là à exercer. Oui, et aussi là quand même des surréalistes qui ont vraiment accompagné les publications que faisait Maurice Hine, parce que dès la révolution surréaliste, il y a des interventions de Maurice Hine dans cette revue. Après, dans le surréalisme au service de la révolution, il y a une rubrique continuelle qui s'appelle Actualité de Sade. Et enfin, le numéro 2 du surréalisme au service de la révolution est consacré à Sade. Et là, il faut dire aussi qu'il y a deux choses dans l'édition. C'est à la fois l'édition proprement dite, mais à la fois le regard qui va être porté sur ces textes, un texte comme ça. Et là, je dois dire aussi que l'importance aussi de Desnos dans son écrit de l'érotisme, même qui a été publié très tard, mais ses amis l'avaient lu. Donc c'est 1923, c'est un jeune homme qui a 23 ans qui écrit ce texte-là. Et pour lui, il y a un avant et un après Sade. Ouais. Donc il y a une unanimité des surréalistes autour de Sade. Alors justement, on pourrait dire quelques mots de ce personnage de Maurice Hine, qui est extrêmement singulier. Il était lié à la gauche non communiste. La fondation du Parti communiste au Congrès de Tours, Il est médecin. C'est un personnage très étonnant, Michel Delon. Sa famille veut qu'il fasse des études de médecine. Lui ne pensait que politique et littérature. Il s'engage dans le Parti socialiste. Au moment du congrès de Tours, il est sur une position d'ultra-gauche qui fait que... Et il travaille à l'Humanité. Très vite, il se fait vider de l'Humanité, puis du Parti communiste, qui devait s'appeler à l'époque encore Section française de l'Internationale communiste. Et c'est la littérature désormais qui va devenir sa... Mais la littérature comme suite à la politique ou... Oui. Hein, déjà, quand il était journaliste en Algérie, c'est un militant pour les droits des Algériens. Et il rencontre Sade comme un emprisonné, comme quelqu'un qui a été totalement opprimé. Et sa lutte pour faire connaître Sade et pour l'éditer est du même ordre que ce à quoi il croyait en tant que militant. Et lorsque on apprend que... Ivan Bloor est mort, que le rouleau des 120 journées est à vendre à Berlin. Le vicomte de Noailles, qui est mécène d'un certain nombre d'activités surréalistes, l'envoie, et qui a épousé une descendante des Sade, l'envoie acheter le rouleau. À n'importe quel prix. À n'importe quel prix, ça c'est... Mais j'ai plus le chiffre, mais en fait, c'était un chiffre par rapport à aujourd'hui relativement honnête. Et on peut voir la plupart des papiers de Maurice Hine sont maintenant à la Bibliothèque nationale, et il fait un travail extraordinaire de copie. On vit à une époque où il n'y a pas encore de photocopieuse. De même que Breton a recopié Lautréamont, Maurice Hine recopie
patiemment les textes de Sade, parce qu'en effet, quand on voit les dates, en 26, il publie Historia de Contes et Fabliaux. En 29, ils sont à Berlin pour acheter le fameux manuscrit des 120 journées. Et en 1930, c'est Les Infortunes de la Vertu. Et entre 31 et 35, c'est Les 120 journées de Sodome. Donc, dans l'entre-deux-guerres, Annie Lebrun, c'est Maurice Haine qui porte la librairie sadienne, si j'ose dire. Et là, c'est 31-35, donc ça correspond aux années Minotaure. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'importance de la proximité de Haine avec les surréalistes. En plus, le hasard qui fait toujours bien les choses fait que Maurice Haine habite alors dans la même maison que Manet, dans le même immeuble. Ah oui, oui, et Manet, qui est passionné, lui, qui s'est passionné justement par Aline et Valcourt, suit le travail de déchiffrage de Maurice Haine. Et c'est à ce moment-là que Manet va commencer à s'intéresser et à faire imaginer le portrait de Sade, le fameux portrait avec les pierres. Parce qu'à cette époque, on n'a aucun portrait, on n'a pas encore trouvé le petit Van Loo. Voilà, je ne sais pas si c'est à cette époque que Valentin Hugo illustre Les Crimes de l'amour, c'est peut-être plus tard. Mais un peu plus tard. Voilà, c'est aussi une grande illustratrice. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais Antoine Hillemard, la NRF de ces années 20-30 témoigne déjà d'un intérêt pour ça. Il y a des notules, des articles. Il y a des articles. Il y a des articles de Paulhan. Par exemple, j'avais retrouvé là, une phrase en lisant justement la NRF à cette époque-là pour voir comment ça se passait. J'avais remarqué une lettre de Paulhan qui dit à propos de Justine, qui vient de lire, « Cela me paraît rudement fort. Il y a longtemps que rien d'écrit ne m'avait empoigné. » Comme ça. Donc c'est vrai que la NRF là s'intéresse à ça. Ils sont complètement ils sont pris, même obsédés. Ouais, c'est les tarots de la nuit. Ils sont même là. Un jour ils se font une lecture à trois. Oui. Il y a Gide, il y a Paulhan, il y a Jouando. Ils se lisent des fragments de Sade. Mais de quel texte? De 120 journées on sait non, parce que c'est quoi? Non, quand même... on l'a pas. Non, on n'a pas les 120 journées. Non, je pense que je crois que c'est peut-être Justine. Oui, Justine. Étant donné Paulhan, ça doit être Justine. Paulhan l'avait acquis. Paulhan avait bien aimé Les Infortunes de la Vertu, qui était paru à l'époque chez l'éditeur Fourcade. Et là, bon, je ne suis pas là pour vous donner des citations. Mais non, mais c'est toujours passionnant, c'est sûr. À le lire. Et pour l'en écrire à ce moment-là dans la NRF, à propos justement des infortunes de la vertu, que l'homme puisse éprouver un vif plaisir à couper l'homme en morceaux, et d'abord à imaginer qu'il le coupe en morceaux, je ne sais quelle lâcheté fait que l'on dissimule à l'ordinaire ce fait trop évident. On voit là qu'il est pris. C'est Paulhan, ça. Ça c'est Paulhan. Oui, c'est Paulhan. Mais on voit bien, donc, effectivement, comme vous le disiez, qu'au-delà du roman noir, de Radcliffe, ils ont vraiment envie de passer au-delà, ailleurs. Oui, mais ils n'y arrivent pas. Et ils n'y arrivent pas. Et ça va donner, après, alors, par des chemins détournés, ça va donner Histoire d'eau. Oui, c'est mais ça. Par le détour de. Ou alors Bondiac, après. Oui, l'anglais dans son château fermé. Mais tout ça, donc, c'est. On ramène ça à la littérature. Oui. Et le côté, la fureur qu'il y a, une sorte de fureur poétique qu'il y a chez Sade, elle est complètement éradiquée. Voilà. Frédéric Martin. Oui, moi, j'aurais envie de revenir justement sur le surmal pour expliquer peut-être cette frénésie qui s'empare de Sade au début du XXe siècle. On parlait d'Apollinaire, c'est 1909. Et le surmal d'Alfred Jarry, c'est 1903. Et en fait, j'ai lu quasiment de manière concomitante les 120 journées et le surmal. Et en fait, on peut voir dans le surmal un diagnostic assez sidérant d'un poison qui gangrène le XXe siècle et qui peut aussi continuer aujourd'hui, qui est le fantasme d'un corps domestiqué et performant. Voilà, il y a une histoire du corps qui, à la même époque, je lisais de Vigarello, qui montre très bien comment tout le XVIIIe pousse sur ce désir-là. Et à la fin du 19e, vous avez la médecine du travail qui se met en place, les piscines municipales à Paris pour faire du sport. Et Jarry bascule simplement cette problématique sur celle de la sensualité. Qu'est-ce qui va se passer dans l'intime si cette gangrène arrive sur nos amours? Et je pense que la manière dont les surréalistes se sont emparés de Sade, c'est parce que c'est un antipoison merveilleux par rapport à ce fantasme-là. Et que le travail de Jean-Jacques... en tant qu'éditeur, parce qu'éditer un livre, c'est pas simplement l'imprimer,
ça a été de comprendre ce pouvoir-là chez Sade, cette force à briser quelque chose de sous-jacent qui était en train de travailler l'époque et qui était une ruine des corps. Voilà. Oui, enfin, pour en ce qui concerne le surmal, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que justement, Jarry reprend aussi un fantasme qui est celui de Sade en ce qui concerne les représentations mécaniciennes de l'amour, et qui hante complètement aussi le XVIIIe siècle, et on voit bien que ce que Jarry reprend, qui est aussi à l'œuvre chez Sade, c'est que ce désir de maîtriser le vertige qui naît du désir et de l'excès amoureux, à travers la représentation représentation mécanique de l'amour, va entraîner un nouveau vertige qui va être le vertige de la machine. Et là, donc, Jarry, c'est aussi ça. Hein, donc, c'est en ce sens, là, il est vraiment l'héritier de Sade sur la question amoureuse. Oui. C'est ça. Michel Delon, sur les machines célibataires, les machines érotiques au XVIIIe siècle, vous pensez qu'il y avait... Oui, non, c'est sûr que les Lumières ont l'espoir que la machine soit libératrice, hein, qu'on arrive à une totale maîtrise de la nature. Et le roman noir et Sade montrent que les machines tournent toutes seules. Et ça, chez Sade, ça devient le plus souvent des supplices. Des broyeuses. Voilà. Antoine Gallimard. Je crois qu'on a raison pour nous parler du roman noir, des images. Mais moi, ce qui m'a frappé, même quand j'ai commencé enfin à pouvoir lire Sade, j'étais vraiment épaté par son incroyable athéisme. Je n'ai jamais vu une mise en scène, une théâtralisation aussi violente, aussi incroyablement insupportable. Que ces manifestations de l'antisme. Alors évidemment, à l'époque, aujourd'hui, c'est différent. Mais à l'époque où on vit au XVIIIe siècle, bon, il n'y a pas encore la séparation de l'État et de l'Église. Il y a des prêtres à tous les coins de rue. On parle de Dieu à tout instant. On peut mieux comprendre que maintenant. Mais je veux dire, et quand on voit votre exposition, cher Annie, je veux dire, ça frappe alors tout de suite, cette espèce de profond... cette démonstration d'athéisme incroyable. Le titre « Attaquer le soleil » dit bien l'idée du crime absolu qui continue même après la mort de son auteur. Oui, bon, il s'agit donc effectivement de... Sûrement, Sade est absolument athée. Donc c'est l'athéisme le plus conséquent. Et c'est en ce sens que si c'est un homme des Lumières, plus que beaucoup d'autres, mais il commence lui où les autres s'arrêtent. Et en particulier sur la question athée. Et là, il y a quelque chose de vertigineux. Mmh. Et c'est pour ça qu'il continue, dans le fond, de déranger. C'est-à-dire qu'il ne dérange pas pour les questions d'ordre sexuel et qui ont fait que ça a été tellement caché. Mais je pense que là, il y a quelque chose de très profond, parce que au-delà de l'anticléricalisme qui est d'une virulence incroyable et qui n'a pas d'équivalent, si ce n'est peut-être... dans l'expression plastique Goya. Il n'empêche que Sade va autrement plus loin, puisqu'il essaye d'éradiquer en l'homme, en chacun de nous, justement ce qui permet de se soumettre à une transcendance, quelle qu'elle soit. Et du coup, c'est ce désir de débusquer la tentation de la servitude volontaire qui est une constante chez Sade. Et c'est en ce sens qu'il est une révolte absolument irréductible. Irréductible. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il a été enfermé. Aussi longtemps et par tous les régimes. Sa pensée, et à un moment, il dit « personne n'analyse comme moi ». C'est-à-dire qu'il tire toutes les conséquences de ses positions. Et ça, c'est impardonnable. Parce que bon, en ce qui concerne ces pratiques libertines, bon, on a beaucoup discouru là-dessus. Bon, effectivement, Sade était sadique, ça c'est quand même la moindre des choses qu'il faut reconnaître. Mais il n'empêche que à ce moment-là, il y avait dans l'aristocratie, il y avait beaucoup de pratiques de cet ordre. Bien sûr. Mais ce qui est impardonnable, c'est qu'il commence à penser. Ce qui le singularise des autres hommes, il commence à le penser et en tirer les conséquences.
Et ces conséquences, c'est une, ce qui est une sorte de renversement de perspective dans la mesure où il commence à regarder le monde à partir justement voilà, de ce qu'il singularise et qui est cette question sexuelle. Ça, on le ressent plus fortement, n'est-ce pas, dans la deuxième partie du XXe siècle et sans entrer du XXIe. C'est aussi c'est dans le cœur de votre approche de Sade, et ça l'a été aussi avec Georges Bataille. Justement, alors voilà, il y a tout un d'autres Sadiens dans le à la NRF. Il y a Bataille, bien sûr, la Somme théologique, Blanchot, Klossowski, donc qui sont aussi, mais effectivement là, qui sont aussi proches et qui croisent très fréquemment et qui s'appuient, au moins pour Bataille, sur ça. Annie, je sais pas si là, je voulais vous lire juste une petite phrase encore, pardon, dans La littérature et le mal de 57 de Bataille. Voilà ce qu'écrit Bataille à propos de Sade. C'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier, dans leurs perspectives les plus violentes. C'est la littérature qui nous permet de voir le pire. Et est-ce que vous pensez que ça peut se comprendre en lisant Sade ? Ben oui. Et bon, et c'est aussi pour ça que Bataille est un des meilleurs lecteurs de Sade, parce que c'est surtout aussi ce tourment qui est chez Bataille qui fait que il voit ça, ce que les autres ne voient pas. Même si à un moment, bon, moi j'ai pu prendre des distances par rapport à Bataille parce que il va parler. À un moment, c'est passionnant ce qu'il dit, sauf qu'il ne parle plus de ça, il parle de Bataille. Il parle de Bataille, oui. Mais il n'empêche, étant donné le tourment, et étant donné, par exemple, sa lecture des 120 journées, c'est un des seuls à dire que ça le rend malade. Oui. Et ça, c'est si quelqu'un n'est pas malade lisant les 120 journées, il y a quelque chose de grave. Voilà. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est la littérature qui nous permet de voir le pire. C'est ça. C'est ça. Alors ce pire, cette soirée est dédiée à Jean-Jacques Pauvert. On l'a vu et entendu en ouverture de rencontre. En 1947, quand il se lance, Michel Delon, dans l'édition de Sade, à quel texte a affaire Jean-Jacques Pauvert ? Pourquoi baser son édition ? En 1947, on veut éditer Sade. On a quoi en main ? Oui, oui. Il a, en général, mais je parle sous le contrôle de ceux qui le connaissent peut-être mieux que moi, il n'a pas d'édition originale. Hein, ce sont surtout les rééditions Bruxelles 1860, 1870. Il va à la Bibliothèque nationale, je pense. Donc il va à la nationale, il refait le geste. L'urgence, c'est de publier. Oui, mais il y avait chez Jean-Jacques Pauvert un désir de la très grande exactitude. Oui, c'est ça, oui. Donc il travaillait justement avec Christiane, sa femme, avec Christiane Pauvert. Et là, je sais qu'ils ont, à plusieurs reprises, ils disent la façon dont ils relisaient ensemble les textes. Hein. Ils en étaient malades, justement. Ils en étaient malades, justement. Ils parlaient de fou rire nerveux à force de préparer la composition des textes, et notamment des 120 journées. Par son éducation, en plus, son père était journaliste. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un souci chez Jean-Jacques de l'exactitude. Il ne faisait pas de l'édition de contrebande. Il ne s'agissait pas de gagner de l'argent. Les textes qui circulaient. Oui, mais il a toujours essayé de revenir à l'édition, de partir de l'édition originale. Oui. C'est ça. Donc, sachant que, par exemple, il avait eu accès à la bibliothèque de Maurice Haynes. Il le raconte dans ses mémoires. Oui, c'est ça. Grâce à une toilette qui avait été organisée à Drouot, un bouquiniste des quais. Une toilette, donc c'est le vrac qui reste, décidément on y revient, qui est laissé 43, à la fin de vente. Voilà, on appelle ça une toilette parce que c'est mis sur un drap, on plie le drap et on emporte ça en vrac. Et en fait, de cette manière avait été dispersée la bibliothèque de Maurice Haynes. Et Jean-Jacques avait commencé, là aussi on n'en sort pas, à la librairie Gallimard. On était apprenti en 42 sur la librairie du boulevard Raspail, très vite pendant la guerre, à traficoter avec énormément de bouquinistes parce que c'était un fou de livres. Et c'est comme ça qu'un vieux gars un jour lui dit « Regarde, je suis tombé sur ça, je ne sais pas ce que ça vaut. » Et c'était la bibliothèque Maurice Haynes. Donc je pense qu'en termes de texte, il avait des choses qui étaient parfaites. Ce n'était pas du tout jamais approximatif. Même, je sais, même pour le surmal, et même pour le voleur, de Darien, il avait dit que tant qu'il ne trouverait pas l'édition originale, et tant qu'il ne la trouverait pas par hasard, il ne publierait pas. C'est ça, et même pour le surmal, ça a été ça. Je pense qu'il y a une différence entre le Jean-Jacques Pauvert de 1945 et celui des années qui suivent. Hein, c'est-à-dire qu'il a amélioré, le texte change.
Hein, et quand ensuite on a repris ça dans la Pléiade, il y avait encore pas mal de scories, disons, à Alors, éliminer. Entre 1947 et 1957, donc il y a tout le travail éditorial de Jean-Jacques Pauvert. Quel lien entretient-il à l'époque avec, je dirais, les lecteurs de Sade dont on a évoqué là les réflexions, les Bretons, les Polans, les Klossowski, les batailles? Est-ce qu'il est au contact? Il est très bien. Oui, c'est ça. Bon, avec toujours une sorte de distance avec Klossowski, Polan, etc. Par le côté un peu bon chic, bon genre. Hein, de... Il se méfie du milieu. Voilà, c'est ça, il se méfie du milieu. Mais bon, avec Breton, ça va très bien. Et avec Bataille aussi, parce que c'est aussi l'éditeur de Bataille. Hein, la Pauvert passe le Rubicon. C'est-à-dire un monde littéraire qui ne se satisfaisait, enfin peut-être sans pouvoir faire autre chose, d'ailleurs d'extrait, de lecture le soir entre soi. Lui, il passe le Rubicon, signe de son nom, publie tout et publie même les œuvres complètes avec son nom d'éditeur. D'ailleurs, la stupéfaction de la brigade mondaine n'est pas feinte. Je dis, mais pourquoi vous engagez avec votre nom? Vous êtes hors la loi, mais vous faites de la clandestinité, vous n'aurez pas de problème. Là, justement, il y a une volonté chez lui d'attaquer le soleil, c'est-à-dire de franchir, de passer le pont et vraiment, cette fois, de sortir Sade à la fois du cabanon et des souterrains. Là, il y a vraiment ça chez lui, Annie Lebrun. Oui, puis bon, il y a une sorte de... Enfin, quand il dit que c'est une liaison, c'est vraiment une liaison. Cette façon de penser, cette fameuse façon de penser qui n'est qu'à ça, lui est toujours fasciné par la singularité chez les êtres. Et si jamais, s'il y a quelqu'un qui pense de façon singulière, c'est ça, avec toutes les conséquences, justement, ça ne pouvait que séduire absolument un personnage comme Jean-Jacques Pauvert et a fortiori un éditeur comme lui, parce que aussi on se trouve devant quelque chose et c'est ça aussi qui a tellement hanté Jean-Jacques Pauvert, c'est qu'est-ce que c'est que la littérature, c'est cette question aussi que pose toute l'œuvre de Sade, c'est ça aussi. Frédéric Martin. D'abord, pour l'anecdote, la brigade mondaine n'est pas venue tout de suite chez lui parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que c'était ans, une vraie adresse. Disais, oui. Et ça le faisait toujours hurler de rire. La deuxième chose, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit plusieurs fois, et Annie ne peut pas le dire elle-même, mais il ne voyait pas un autre vrai commentateur de l'œuvre de Sade qu'Annie. Voilà. Tous les autres, ils pouvaient avoir de la sympathie plus ou moins pour eux, mais ce n'était pas toujours très sérieux, pour reprendre ces expressions. Et la troisième chose qu'il faut souligner, c'est la confiance qu'il faisait au texte. Vous voyez, pour lui, il était question d'établir le texte, et c'est peut-être pour ça qu'on a réagi avec Annie, de la manière la plus propre possible, parce que c'était le texte qui faisait foi et qui faisait valeur. Il n'a pas du tout essayé, par exemple, de truffer ses éditions d'illustrations érotiques pour augmenter les ventes, ou même d'appareils critiques pour les crédibiliser. Il avait une telle confiance dans cette œuvre qu'il estimait que son devoir était de la présenter d'ailleurs, de la manière L'objet livre, on se connaît les grandes performances éditoriales de Jean-Jacques Pauvert, les Éliphores magnifiques en 3 tomes, le Victor Hugo en 2 volumes, je crois, ou 3 volumes, 4 volumes, là, enfin, ce qui quand même est un. On va y arriver, parce que Victor Hugo en 4 volumes. Le Littré. Tout ça, il y a un goût du grand artisanat éditorial, de la beauté. Et là, le Sade, c'est tel quel, sans faire de jeu de mots facile. Elle est magnifique. Pour l'anecdote, l'édition des 120 journées... Non, mais les premiers Sades sont très sobres, sont très... Ben oui, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été réfléchi. En fait, c'est l'adéquation à chaque fois, Jean-Jacques. Voilà. Ce n'est pas le spectaculaire, une maquette faite par lui. Et pour les 120 journées, notamment, ça ne pouvait pas être autrement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Annie, mais... ça a été imprimé à l'Orphin, par exemple. C'est pour ça, par exemple, que le titre, c'est 120 en chiffres et non pas en lettres, parce que ça coûtait plus cher. Voilà, il fallait peser l'or pour imprimer. Mais non, cette maquette-là, aujourd'hui encore, je pense que c'est la plus belle édition des 120 journées, pour même la compréhension du texte. C'est-à-dire que le texte respire d'une manière qui fait que moi, j'ai du mal à la lire dans une autre édition, véritablement. Antoine Gallimard. Oui, c'est vrai que cette édition, elle est magnifique. Moi, je voudrais revenir simplement sur le fait qu'il y a eu beaucoup de commentateurs, encore à la fin du XXe siècle. On voyait à la fois Philippe Solers, Octavio Paz, même Simone de Beauvoir. Faut-il brûler ça? Oui, faut-il brûler. Tous ces gens tournent autour et finalement, ils n'en font jamais le tour. Ils n'arrivent pas
à se faire finalement à l'idée sadienne. Pour, Parce que j'ai l'impression que à chaque fois, c'est quand même c'est tellement énorme cette façon de penser. Hein. Il n'y a pas tellement d'équivalent de cette façon de penser qui essaye de fonctionner en dehors des présupposés religieux, sociaux, moraux, n'est-ce pas, qui va arriver à dire cette énormité, qu'un crime est un crime, alors que toute la civilisation est faite de sorte qu'on n'admette pas qu'un crime est un crime, qu'il y a de mille et une façons de tuer, et mille et une raisons de tuer. Là, il y a quelque chose d'absolument insupportable. Donc, il est évident qu'à peu près tous les commentateurs qui sont d'un niveau incontestable, qui commencent à s'intéresser à ça, donc, mais qui, dans le même temps, ont peur de ça. Et donc, d'une certaine façon, chacun va prendre de ça ce qui le concerne. Et ça, c'est pour justifier le reste de son activité. Et là, moi, c'est quand Jean-Jacques Pauvert m'a demandé de faire la préface pour sa deuxième édition des œuvres complètes, voilà. Et là où vous voulez publier tout ça d'un tout, nouveau. Tout, le théâtre tout, y compris. Tout. Donc j'ai tout relu, évidemment, j'ai relu tout ça, et puis j'ai relu tous les commentateurs. Et là, moi, j'ai été paniquée. Parce que tout d'un coup, les uns et les autres, aussi brillants soient-ils, aussi érudits soient-ils, ne parlaient pas de ce que j'avais lu. C'est-à-dire chacun parlait de ce qui lui importait. Donc Blanchot, c'est la question de la négation. Barthes, c'était l'écriture. Bataille, c'était la transgression. Mais où était la cohérence de Sade ? Et là, j'avais peur à un moment. Je me suis dit, est-ce que je suis complètement folle ? Je suis en train de délirer. Et là, j'ai demandé à Jean-Jacques un peu de contrôler, pas du tout de lire ce que j'écrivais, mais on se voyait assez souvent. Je lui disais, est-ce que je suis folle si je pense que... C'était ça, à peu près, nos... Bon. Il disait, non, continuez. Et puis, le point de départ, quand même, ça a été, ça revient aussi à ce que vous disiez, Antoine, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait cette évidence que tout le monde avait essayé de masquer avec une sorte de rideau de fumée, plus ou moins épais. C'est que ça commence, que l'aventure de Sade commence avec les 120 journées de Sodome. C'est-à-dire, ça commence avec le texte innommable, irreprésentable, qui parle de l'innommable, de l'irreprésentable, de l'illisible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut pas faire comme si cette œuvre-là ne découlait pas de ça. Et c'est curieux de penser qu'aujourd'hui, ce texte, les 120 journées, soit sous scellé. C'est oui. Mais non, symboliquement, c'est très fort. C'est alors justement, oui. Antoine Gallimard, en 1990, Sade sort en Pléiade. Alors je suis à l'accroche, l'enfer en pion papier Bible. Ça c'est quand même génial. C'était bien trouvé. Rapidement, comment on en est venu à faire entrer Sade en Pléiade ? Quel a été le chemin ? Qui l'a proposé ? Avez-vous réfléchi longtemps ? Est-ce que c'est un vieux projet qui C'est l'avantage des entreprises familiales. C'est-à-dire que j'ai pu prendre ma décision tout seul. Bonne décision. Voilà. Et je me demandais comment mes collaborateurs allaient prendre... la chose, je ne sais pas si... Voilà, on a ici le directeur de la collection. Est-ce qu'il n'allait pas venir m'égorger ? Non. Mais non, ni l'attaché de presse. Non, ils m'ont pas trucidé, ils ne m'ont pas coupé la tête. Au contraire, ça a été plutôt bien accueilli. Et effectivement, surtout la question se posait, qui pourrait être l'éditeur du volume. Justement. Ça, c'était important. Et donc voilà, bon, je suis ravi qu'on ait choisi M. Delon, justement parce qu'il fallait à la fois avoir... personne qui puisse retracer, trouver la position du texte. On a retoiletté un peu le texte. Il a fallu aussi faire des choix dans la construction des trois volumes. Peut-être vous pouvez nous en parler. Alors, sur les réactions Michel à Delon. L'intérieur de la maison, moi, j'ai reçu une lettre du 21 mai 85 de Pierre Buge, dans son style. Pierre Buge, qui était le directeur de la Pléiade à l'époque. Dans son style à lui, est-ce que vous accepteriez si nous envisagions voilà, j'avais répondu aussitôt oui. Il m'avait reçu dans son bureau, il était impérial. Hein,
Il m'avait dit, écoutez, s'il ne tenait qu'à moi, ça n'entrerait pas dans cette bibliothèque. Mais notre nouveau maître, je crois que c'est la formule qu'il a employée. Nouveau maître. Le souhaite. Califou. Donc j'ai regardé un peu qui pouvait le faire. Alors, comme il parlait très bien, il n'a pas dit, vous êtes le moins pire. Mais il y avait un peu cette idée. Alors surtout pas de psychanalyse, surtout... voilà. Et vous avez signé le contrat, je crois, début juillet. Donc ça a été rapide. C'est rapide. Mais pourquoi vous, alors ? Vos travaux antérieurs Vous savez, j'avais travaillé un peu de manière très académique. Je ne devais pas faire trop peur à Pierre Buge, hein, alors, qui aimait le sérieux Delon, solide. Vous arriviez après presque un siècle d'éditeur, hein, depuis quand même... 1904, bon, ça ne fait pas un siècle, mais presque. Quelle a été votre stratégie pour apporter quelque chose de neuf ? Comment avez-vous décidé d'opérer par rapport à vos illustres prédécesseurs qui vont donc de, d'Eugen Düren à Jean-Jacques Pauvert ? Bon, alors, premièrement, en disant vraiment le respect et l'admiration que j'ai pour ces gens-là, en particulier pour Pauvert, qui a payé de sa personne. Hein. Alors, premièrement, il fallait revenir quand même au texte. Par exemple, prenons celui d'Aline Valcourt. Moi, j'étais parti avec l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que ça ne correspondait pas du tout aux autres éditions. Hein. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait trois éditions différentes, parce que c'était 8 petits volumes. Sade avait Giroir, l'éditeur, l'imprimeur, avait commencé à travailler avant l'arrestation même de Sade, et puis avait fini après sa veuve, d'ailleurs, puisque lui-même avait été exécuté. Donc, il y avait quand même des découvertes philologiques à faire, et l'avantage de la Pléiade... c'est qu'on peut fournir les variantes et des documents de ce genre. Deuxièmement, donc, philologie. Philologie. Deuxièmement, alors, c'est intéressant ce que vous disiez concernant les images, parce que lorsque la direction de la Pléiade a dit « nous l'illustrerons », j'avoue que j'avais des réticences en disant « mais ça va tirer ça du côté de la pornographie ». Et en fait, quand on regarde tous les manuscrits de Sade, sans cesse, il évoque les estampes. Pour les contes, il marque en marge ici l'estampe. Pour Oxtirn, il décrit un frontispice qui n'a jamais été réalisé. Le poème La Vérité, qui est un poème d'une quinzaine de pages, il décrit également très très longuement l'estampe allégorique qui devra être faite. Donc, importance pour ça de l'image. Le papier Bible, merveille de la technique, pouvait supporter l'image. Oui. Donc, nous apportions le texte tel, pour ceux qui étaient imprimés du temps du vivant de Sade, le texte tel que Sade l'avait fourni, avec cette tension et cette dialectique entre les mots et l'image. Et puis, troisièmement, la notation. Alors, tout à l'heure, on évoquait les 120 journées. J'avoue que les 120 journées, j'ai d'abord donné un manuscrit où il n'y avait pas de notes. Et Pierre Buge m'a dit, mais monsieur, il faut des notes dans la Pléiade. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas. Mais pourquoi il n'y avait pas de notes, Michel Delon ? Parce que vous ne trouviez pas de la notable. Le texte est tel mais c'est tellement, c'est tellement terrible. Il y a quelque chose de même aussi de ridicule. Voilà. Oui, c'est ça, donc... c'est alors, ça. Je me suis lancé et il faut une hypothèse de travail. J'ai relu tous les martyrs. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a que ça. Oui, y a que voilà. Ça. Bah, oui. Et on s'en aperçoit que... C'est-à-dire tous les martyrs, il y a des volumes entiers qui racontent tous les martyrs. De la martyrologie, il y a même toutes les machines, on en expose à l'exposition. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, petite parenthèse personnelle, qu'un des grands traités de représentation des souffrances des martyrs qui était fait par un oratorien italien, la première fois qu'il a été publié en France, c'était chez un éditeur sadomasochiste, spécialisé dans l'érotisme sadomasochiste. Vous voyez, mais bon, effectivement, il s'agit de la même chose, hein, c'est sous le prétexte c'est religieux. C'est des mondes connexes. Oui. Et d'autre part, dans les récits de voyage,
la description de pratiques oui. épouvantables qui ont lieu ici ou là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de découvrir que ce qu'on présente comme purement sorti du seul cerveau de Sade complètement détraqué, bah, on s'aperçoit que dans la réalité, hein, il a pu y avoir tel ou tel martyr ou telle peuplade qui pratiquait la même chose. Hein. Et puis alors... les récits de voyageurs... Et aussi, voilà, parce hein. que étant donné, enfin, c'était un lecteur immense. Hein, bon, donc c'est aussi prison, bien oui. l'histoire... Il, ça, ouais. il puise énormément dans l'histoire. Il y a toute une dimension, une réflexion profonde sur l'histoire, sur donc la relativité des mœurs, puisque c'est aussi un des lecteurs du voyage de Cook, etc. Donc, effectivement, tout est là. Hein. C'est un peu aussi ce qui se passe avec l'exposition. Ce dont parle Sade était déjà là avant. Avant, c'est sauf ça, que c'était sous des représentations codées ou c'est des ça, choses. Ouais. Et là, donc, là, il y a un montage de ce genre de choses. Et lui, dénude ça. Ouais. Et alors donc, troisième, vous posiez les trois directions pour la Pléiade. La troisième, c'était une annotation qui fournisse, non pas un commentaire, hein, chaque lecteur est libre de commenter, de juger, mais tous les éléments à partir desquels Sade écrit cette œuvre sidérante qui semble sans... comme une mesure avec tout ce qui a été écrit avant. Et alors on a la surprise de découvrir qu'il fait de l'inouï souvent avec des éléments qui préexistaient, hein, que ce soit les récits de voyage où on a parfois jusqu'à 10 pages recopiées avec simplement un certain nombre de coups de plume qui transforment totalement le sens du texte, recopiées d'Odelbach, de Fréret qui est un érudit du début du XVIIIe siècle, ou Voltaire, athée, oui, athée. Mais il était à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, donc personne ne faisait attention à ce qui se passait dans cette académie. Non, c'est vrai. Hein. C'est noté. Absolument. Donc, un premier je volume... Je ne dis pas que maintenant c'est la même chose. Hein. Non, bien évidemment. Donc, un premier volume, deux volumes, trois volumes, Antoine Gallimard. 90, 95, est-ce que 98. D'autres volumes... Mais là, il y a un volume anthologique un peu qui est sorti, là. Est-ce que d'autres volumes sont à venir? On ne sait jamais. Non, je crois que là, je veux dire, on a fait donc ces trois volumes en 90, 95, 98. 98, et celui-ci qui vient de sortir en septembre, bon, qui est une reprise, disons, des trois textes essentiels, disons, de l'œuvre de Sade. Le cœur du réacteur, quoi, les grands textes. Le réacteur, une hommage à l'occasion à la fois donc de l'exposition d'Annie Lebrun ici et par rapport à l'anniversaire. Mais non, il n'y a pas d'autres. Là. Je pense que là, actuellement, nous projetons toujours avec Annie un volume de correspondance. Alors, Annie Lebrun, ça, c'est un grand chantier aussi. Oui. Gros volume, parce que c'est un des plus grands épistoliers du monde. Oui. Allons-y. Ah oui, c'est extraordinaire, parce que d'abord, c'est un document justement sur ce phénomène que constitue l'existence et l'activité de Sade, mais dans le même temps, c'est un épistolier, c'est un écrivain extraordinaire. Il maîtrise absolument tous les registres. Oui. Et c'est comme si l'intérêt par rapport à son œuvre, qui a ouvert ce théâtre mental qui n'a aucun équivalent, c'est comme si la correspondance nous amenait dans les coulisses de ce théâtre mental. C'est-à-dire, on n'est jamais dans le théâtre mental, mais on voit un tout petit peu comment ça fonctionne, parce que dans ses lettres à sa femme, des déclarations comme c'est ma façon de penser, ce n'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. En fait, toutes ces grandes prises de position de révolté définitive, ça sort de la correspondance. Et ça sort avec une spontanéité incroyable. Et c'est comme si on assistait, c'est un plongeur de grand fond et qui remonte tout d'un coup pour intervenir avec une vie incroyable sur les problèmes immédiats. Il demande ses pots de confiture, il demande son petit chien, comment va le petit chien. Enfin, il explique à un moment à la fin qu'il est l'homme le plus gros de Paris, donc il faut autant de mètres pour lui faire un habit, etc. Et c'est ce passage continuel de la matérialité du monde et de la vie à des réflexions philosophiques fulgurantes qui fait aussi de la correspondance
en elle-même une œuvre colossale. Et c'est un peu ce qu'on veut faire, puisque pour l'instant, on ne peut pas faire une correspondance exhaustive. Donc, ça va être un grand choix de l'être. Enfin, ça va porter sur à peu près 800 pages. 800 pages. Et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons travailler avec un héritier du marquis. C'est ça. Voilà. Frédéric Martin, vous avez donc réédité en un volume les trois volumes de la biographie de Sade signée Jean-Jacques Pauvert, précédemment paru chez Robert Laffont. Vous avez également édité les 120 journées de Sodome avec une ouverture en préface de Dany Lebrun. Est-ce qu'il y aurait comme ça, à l'horizon de vos activités éditoriales, un chantier sadien? Vous auriez un rêve encore sur des textes inédits ou des... Non. D'emblée, je dis non parce que le rôle d'un éditeur, c'est aussi d'aider à faire comprendre une œuvre, à la protéger. Et maintenant, ça va. Elle existe grâce à Annie et à Jean-Jacques. L'œuvre est protégée. Et même le risque, c'est peut-être de vouloir trop la défendre maintenant. C'est-à-dire de... je me souviens d'une chose qui m'avait surprise quand on commençait à travailler avec à parler avec Jean-Jacques. La manière dont il avait vu arriver d'un mauvais œil l'édition poche pour Sade. Oui, alors on va faire un petit peu d'histoire de l'édition poche dans mon esprit, c'est 10-18, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu 10 enfin, non, avant Folio, bien sûr, mais je voyais 10-18, Les Crimes de l'amour, Aline et Valcourt. Et puis après, alors Juliette, Les 120 journées en 10-18, en plusieurs volumes. Je me souviens de les avoir achetés à l'époque. C'était quand même. Je sais pas, moi, j'ai pas regardé. Assez redoutable. Ça. Enfin, et la collection GF aussi. GF, mais pas les textes, disons. Les Infortunes de la Vertu et Justine sont sortis. Oui, non, ça dans poche. Alors que l'interdiction à l'affichage et à la vente aux mineurs n'était pas encore tombée en désuétude. Oui, parce que dès 10-18, mais quand j'ai dit 18, c'est l'époque Dominique Deroux, peut-être Christian Bourgois, donc c'est quand même assez ancien. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, parce que dans le procès qu'on a fait à Jean-Jacques, la première fois, donc, la sanction était très sévère. Et en appel, la sanction a été adoucie et il restait l'interdiction d'affichage. Mais bon, ça veut dire 20 ans de tracasserie financière, les procès qui n'arrêtaient pas. On lui avait enlevé ses droits civiques pendant 20 ans, il est privé de ses droits civiques. Et bon, c'est vers 60 que ça s'arrange, mais jusqu'en 66, on ne peut pas, il faut passer par les arrière-boutiques, etc. Parce qu'on n'a pas eu en France tellement d'interdictions. Il y a eu pour Guillotard, pour, je crois, Eden, il me semble. Il y en a eu, je crois. Récemment, il y a encore eu Rose Bonbon. Oui, Rose Bonbon, dont j'étais aussi l'éditeur. Dites-moi, oui. On va procéder à mon arrestation bientôt, comme Jean-Jacques. Oui. Non, mais ceci dit, par l'interdiction même de la voie d'affichage, on pouvait tuer l'exploitation d'un livre parce que les libraires n'avaient pas le droit de les montrer. Oui. Donc c'était compliqué pendant ces 20 années pour Jean-Jacques. Et en même temps, c'est ça qui est amusant chez lui, c'est que l'idée que Sade se répande partout, ça n'allait pas de soi pour lui. Qu'est-ce qu'il en pensait, C'est simple, l'édition de poche, c'est quand même une économie du livre qui repose essentiellement sur le volume, du moins dans ces époques-là, on est dans les années 60-70, c'est des gros tirages, et je pense que ce qui le faisait peur, c'est que pour des logiques de score, c'est-à-dire de quantité d'exemplaires écoulés, on mette en place un discours sur vendeur, parce que Annie le dit très bien, Sade, ça reste insupportable. Moi, j'ai l'exemple, lorsque j'ai publié donc cette édition des 120 journées, spontanément, je le donne à une écrivaine que j'aime beaucoup et qui a un rapport à la langue, en me disant, si tu te poses des questions sur la langue, tu dois lire ça. Et en même temps, je rajoute, sans avoir réfléchi, mais peut-être pas tout de suite. Il y a un moment peut-être où il faudra que tu le lises, mais peut-être pas tout de suite. Et ça, c'est la mort pour un éditeur, normalement. Si vous dites au lecteur, le livre existe, c'est bien, mais ne lâchez peut-être pas tout de suite, on ne peut pas faire que des livres comme ça. Voilà. Mais ça doit rester dans cette catégorie. Non, je crois pas. Là, c'est vraiment un argument publicitaire, mais merci, je vais l'employer. Mais je pense qu'au contraire, non, je pense que là-dessus, je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques. Le fait que, d'abord, 10-18 n'est pas n'importe quelle collection, j'en parle librement parce que ce n'est pas la mienne, mais au contraire, ça nous a, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses en 10-18 qu'on ne trouvait pas ailleurs, à des prix quand même intéressants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le poche qui est au contraire là, qui permet encore à la littérature d'être en librairie et ailleurs. Donc, je pense qu'il y a. C'est un discours sur Sade qui intervient à un moment où on a lu soudain Bloc d'Abîme, où on a une manière de percevoir Sade, où on a les outils pour le percevoir qui sont justes.
Je ne suis pas sûr que le moment où Sade bascule dans le poche dans les années 60 soit fait pour des bonnes raisons. Oui, voilà. Mais faut Michel faire Delon. Confiance, il me semble qu'il faut faire confiance au lecteur quand même. Hein, et par exemple, on a évoqué tout à l'heure 1904, première édition des 120 journées, c'était à 200 exemplaires. La plupart des volumes édités par Maurice Heine, c'est quelques centaines d'exemplaires. C'est sous souscription, il faut rappeler, oui, voilà, que c'est dans la Société du roman philosophique. Voilà. Et en 1920, il prévoyait d'appeler ça la Société des Amis de Sade. Oui. Et puis il n'a pas... on lui a déconseillé quand même, donc finalement c'est la société, les amis du roman philosophique. Et à ce moment-là, quelques centaines de lecteurs, je crois que passer aux milliers, aux dizaines de milliers, puisque c'est cet ordre-là maintenant, ça veut dire qu'un jeune peut acheter Sade, même s'il n'a pas de quoi se payer une édition à tirage limité. Donc, le jeune chargera sur Internet, mais non, mais je suis pas. Oui, mais alors là, le texte est mauvais. Hein. Alors là, j'ai vérifié. Les textes sont très mauvais. Mais ce que je disais juste, c'est que au moment où Sade sort en poche pour Jean-Jacques, il y avait toujours cette précaution que, au-delà de la vente, il doit y avoir l'intelligence d'un texte. Voilà. Après qu'il existe en poche, c'est très bien. Je comprends cette réaction. De même, lorsqu'il y a eu le premier colloque universitaire sur Sade, à Aix-en-Provence, en 1966, tous les grands sadiens ont refusé d'y aller en disant « l'université a méconnu Sade pendant un siècle et demi », ce qui était vrai. Donc, nous ne cautionnons pas dans notre présence. Je peux comprendre, mais heureusement qu'il y a eu ce colloque qui a été important et qu'il y en a d'autres ensuite. C'est vrai, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Michel Delon, d'éviter une appropriation par certains de Sade. Et quand vous avez publié Sade en Pléiade, vous avez dit sans banalisation ni provocation, c'était très juste. Il s'agissait de trouver une édition qui puisqu'on a pris Sade parce qu'on considérait quand même, comme vous le dites aussi Annie, qu'il y a un avant et un après Sade, je dirais. Et que là, comme on a d'autres textes très importants en Pléiade, ce texte-là avait vraiment sa place par rapport à l'histoire de la civilisation. Mais donc, il n'était pas question de faire ou de faire du racolage de mauvais goût, ou bien au contraire de le sanctuariser. Moi, je suis tout à fait pour que les choses ne soit pas interdite, hein, c'est ça, ne soit pas sous le manteau. Donc, c'est très bien, justement, que ce soit dans une édition soignée. Comme en cuir, avec de l'or fin. Parce qu'autrement, si les choses n'existent que quand elles sont interdites, ça aussi ça veut dire qu'on est un peu tordu, hein, quand même. Si on s'est plaint pendant des siècles que ça n'était pas... Il faut savoir, comme on dit. Il faut savoir ce qu'on veut. Notre rencontre va vers sa fin, donc dans quelques minutes. Michel Delon... quels seraient aujourd'hui les... Il y a encore des manuscrits, il y aurait des trouvailles à faire. Vous allez me répondre si c'était le cas, on les aurait déjà faites. Mais Non, il y a des pistes. On découvre. Qu'est-ce qu'on découvre encore à éditer de Sade? Puisque parallèlement là, à la belle exposition d'Orsay, moi je m'occupais d'une exposition à la Fondation Martin Bodmer. Avec un très beau catalogue paru chez Albin Michel, qu'il faut signaler. Donc je suis allé voir un certain nombre de collectionneurs. Et j'ai été sidéré de ce que je découvrais. Hein, chez Pierre Berger, un roman de Nersia qui était possédé par Sade. Annoté. Et non, hélas. Mais c'est un détail, mais c'est essentiel. Dans la collection de Pierre Leroy, une édition des Crimes de l'amour... qui a été entre les mains de Sade, puisqu'on trouve la gravure, le dessin à partir duquel a été fait le frontispice, et des petits bouts de papier que Sade avait écrit pour indiquer au dessinateur, la scène qu'il fallait illustrer. Hein? Donc là, on pourrait multiplier les exemples. Hein, je crois qu'on a encore beaucoup de choses donc à découvrir chez les collectionneurs privés, dans des trouvailles à faire. Oui. Très bien, le dernier mot à Annie Lebrun. Je pense qu'on va retrouver des trucs encore. Avec Jean-Jacques, plusieurs fois, m'avait dit, il a rêvé, vraiment rêvé, qu'on retrouvait les journées de Fleur Belle.
C'est sur cette redécouverte hypothétique mais largement souhaitable des journées de Flore Belle que nous conclurons cette rencontre. Donc Attaquer le soleil, exposition au musée d'Orsay jusqu'au 25 janvier, également l'exposition Un athée en amour. Nous jusqu'à Pâques. C'est jusqu'à Pâques, donc voilà. Pour la symbolique anticléricale. C'est à quel endroit, on peut rappeler ? À côté de Genève, voilà. À Cologny. D'accord. Qui est... Et puis pour lire ça, donc les éditions du Tripode, la biographie de Jean-Jacques Prouvaire en un volume et une édition des 120 journées préfacées par Annie Lebrun, la Pléiade, donc 4 volumes maintenant, et puis donc tous les travaux éditoriaux faits par Annie Lebrun et Jean-Jacques Prouvaire, et puis donc ce grand essai qui, par lequel c'est bon de commencer et de réactiver sa lecture, Soudain, un bloc d'abîme, Sade. Merci à toutes et à tous, et puis après, éditez Sade, lisez Sade.